Hey, dis-nous, comprends quoi? On veut comprendre. Comment on ne peut pas comprendre? On veut comprendre. Dis ce que tu as détruit dans sa vie. Et tu vas les restituer par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as détruit? Premièrement, quand tu es venu dans sa vie, quand tu as reçu le mandat de venir dans sa vie, qu'est-ce que tu as détruit? Quand tu as consacré à son enfance, qu'est-ce que tu as détruit premièrement? Qu'est-ce que tu as détruit? Son pied. Son pied. Tu vas restituer son pied. Et tu as mis son pied là-haut. Où as-tu mis son pied? Tu as mis son, as-tu mis son pied? Ici, ce n'est pas un lieu de repos pour les démons. Ici, c'est un lieu de sordère. Que maintenant, la terre devient du feu. Au nom de Jésus. Brèche de feu. Au nom de Jésus. De feu. Au nom de Jésus. Brèche de feu. Au nom de Jésus. Savon de feu. Au nom de Jésus. De feu. Au nom de Jésus. De feu. Au nom de Jésus. Brèche de feu. Et te consume. Savon de feu. Et te consume. Brèche de feu. Et te consume. Savon de feu. Brèche de feu. Et te consume. Et maintenant, tu dévoiles tes choses dans la douleur. Tu dévoiles tes choses, tes œuvres dans la douleur. Au nom de Jésus. T'invoques maintenant, par le nom de Jésus, que les mousses venueuses de l'éternel t'envahissent. Que les mousses venueuses t'envahissent maintenant. T'envahissent maintenant. T'envahissent maintenant. T'envahissent maintenant. T'envahissent maintenant. T'envahissent maintenant. Et puis, mais ça. Maintenant, après son pied, qu'est-ce que tu as détruit encore? Tu n'as pas marché, tu n'as pas menti. Hein? Après son pied, qu'est-ce que tu as détruit encore? Après son pied, qu'est-ce que tu as détruit encore? Parle-moi ceci. Parle-moi ceci. Parle-moi ceci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel nom? Quel nom? Quel est ce nom? Parle-moi ceci. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Masque. Masque. Le nom masque. Masque, ça veut dire aignon. C'est ça, non? Masque, que tu l'as donné. Le nom masque. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un. Alliance. Ça s'appelle aignon. Aignon. C'est ça, non? Voici le nom de masque que tu l'as donné. Et à cause de. À cause de cette. Tu ne donnes pas des ordres ici. À cause de ce nom, tu y accèdes dans sa vie et que tu le suis partout. L'Éternel a déclaré selon le livre de Colossiens 2, verset 14. Jésus-Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Donc, cette ordonnance qui condamnait la servante de Dieu, Esther, voici, par le nom de Jésus, se brise cette alliance. Au nom de Jésus. Je brise cette lien. Au nom de Jésus. Je brise cette lien de masque. Au nom de Jésus. Le nom de masque, je les révoque. Au nom de Jésus. Je les annule. Au nom de son Jésus. Son âme n'a perdu plus masque. Son âme n'a perdu plus masque. Je brise. Au nom de Jésus. Je les jette dans les abîmes. Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Tu dévoiles tes yeux dans la douleur. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les mousses venues te piquent. Qu'est-ce que tu as détruit encore? Et c'est quoi qui te donne accès dans sa vie? Fais vite. Quoi encore? D'ailleurs, où as-tu mis son âme? Quoi encore? Dévoile les alliances que tu as tissées pour pouvoir accès dans sa vie. Parle-moi ceci! Parle-moi ceci! Je saisis au nom de Jésus. L'épée de l'esprit. Je presse le cœur. Au nom de Jésus. Je presse le cœur. Au nom de Jésus. Je presse le cœur. Au nom de Jésus. Je presse le cœur. Je presse le cœur. Je presse le cœur. Au nom de Jésus. 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 Nous l'arrachons de Jésus. Les jetons dans les abîmes. Mets la parole au Jésus. Presse mes chapeaux. Parole au Jésus. Parole au Jésus. Qu'est-ce que tu as détruit encore? Qu'est-ce que tu as détruit encore? Après ce prix, qu'est-ce que tu as détruit encore? Qu'est-ce que tu as détruit encore? Tout quoi? C'est pourquoi? Faut citer ça. C'est quoi et quoi? Parle aujourd'hui. Parle au nom de Jésus. Quoi? Tu as détruit quoi encore? Tu as détruit quoi encore? Esprit de ça, tu as détruit quoi encore? Tu as détruit quoi encore? Tu
Tu as des droits quand tu as exprimé ça. La tombe. Tu as quoi? La tombe. Tu laisses sacrifier à la tombe. Comment? Comme, par quel moyen? Par quel moyen? Explique-moi cela. Par quel moyen? Par quel moyen? Par quel moyen? C'est pas un problème. C'est quel côté? Quel côté? Ne joue pas avec les gens. Fais ce méchant. Fais vite. Quel côté? Parle On a vu son étoile. Est-ce que c'est vous qui l'a donné son étoile là? Hein? Maintenant, son âme là, vous avez mis son âme là où? Vous avez mis son âme là où? Où as-tu mis son âme? Toi, les gens. Vous avez mis son âme où? Parle-moi ceci. Vous avez mis son âme où? Vous avez cassé son âme où? Fais vite. Tu as mis son amour. Exprime ça, tu as mis son amour. Maintenant, je prie que les graines de feu descendent au nom de Jésus. Que la graine de fait de ça. Parle-moi ceci. Tu as mis son amour. Tu as cassé son amour. Permission, mais je t'ordonne, c'est un ordre, exécute, c'est un ordre, va cesser son âme, fais vite, va cesser son âme, au nom de Jésus, va cesser son âme, au nom de Jésus, sinon ce que je va cesser son âme, tu vas cesser son âme, tu ne donnes pas ordre à quelqu'un ici,
Va saisir son âme. Se saisir. Je saisis le manteau du Saint-Esprit. Se casse ton couloir. Au nom de Jésus. 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 C'est la race de l'Éternel. C'est de la Bible. La part de l'Éternel déclare dans le livre de Job, le verset 18. Tu sais, l'Hyper-Esprit méchant. Tu sais, l'Hyper-Esprit méchant. La part de l'Éternel déclare. Il n'a pas ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restitue à tout ce qu'il a pris. Il n'agira plus. Ainsi à la parole de l'Éternel. Tu obéis à la parole de l'Éternel. Là. Tu as le Saint de te faire de toute ta malédiction qui a été dit dans le livre de Deutéronome 28. Tu obéis à la parole de l'Éternel. Tu restitues ce que tu as pris. Nous cessons les périlles au nom de Jésus. Nous te taillons 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 au nom de Jésus. Nous te taillons. 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 Nous te taillons par la puissance du Saint-Esprit. Nous te taillons par la puissance du Saint-Esprit. Nous te taillons par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant tu vas chercher son âme, toi esprit méchant. Toi les gens vas chercher son âme. Hé, très vite, très vite, très vite, très vite. Les autres là n'ont pas été comme ça. Tu vas chercher son âme. C'est ça la seule. Nous saisissons la hache de l'Éternel au nom de Jésus. Nous te déracinons 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 par la puissance de Jésus. Car la parole de Dieu que tu prends que le Seigneur n'a pas planté sera déraciné. Nous te déracinons la seconde au nom de Jésus. Nous te déracinons au nom de Jésus. Nous te déracinons au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous te déracinons au nom de Jésus. Nous te déracinons par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas chercher son âme. Va chercher son âme. Esprit méchant, écoute la voix de l'Éternel. C'est son âme. C'est son âme. Brise le tombeau. Prends tes mains et casse. Fais vite. Accélère toi, esprit méchant. Fais vite, fais vite, fais vite. Fais dans tes mains, fais dans tes mains, fais dans tes mains, fais dans tes mains. Fais dans tes mains. Tu le fais avec douleur. Fais dans ta main. Fais. Elle fait saisir son âme. Casse. Fais vite. On n'a plus le temps à perdre. Fais vite. Déterre son âme. Déterre. Fais vite. Déterre son âme. 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 Déterre. Déterre. La chicotte du Saint-Esprit te fouette. La chicotte du Saint-Esprit te fouette et tu accélères. La chicotte du Saint-Esprit te fouette et tu accélères. Saisis ton âme. Le Saint-Esprit te fouette. Fais sortir ton âme. Fais sortir ton âme. Fais sortir ton âme. Fais vite. Parce que je l'avais dit. Allez, saisis son âme. Tu déposes. Tu le mets dans là où tu as enlevé son âme. Les remets là-bas dans son enveloppe. Tu l'as remis dans son âme, dans son enveloppe. Remets ça. Fais vite, fais dans tes mains. Fais dans tes mains. Mets son âme. L'Éternel te pousse à déposer son âme. Mets son âme dans son enveloppe corporelle. Je le sers dans le sang de Jésus de Nazareth. Et je ne coupe pas le fil. Tu saisis en même temps. Où est cassé ses étoiles? Imprime ça. Où est cassé ses étoiles? Où as-tu mis son étoile? Tu as mis ses étoiles où? Tu as mis ses étoiles où? Tu as mis ses étoiles où? Au nom de Jésus, je saisis l'épée de l'ennemi. Je te taille au nom de Jésus. Je te taille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te taille 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 au nom de Jésus. Je saisis le petit carnage. Je te taille. Je te désire. Je te taille. Au nom de Jésus. Je te désire. Au nom de Jésus. Je te taille. Je te désire. Je te taille. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Tu as mis son étoile. Son étoile. Son étoile. Tu as mis son étoile où? Oui, c'est normal. Tu as mis son étoile où? Où tu as mis son étoile? Où quoi? Où as-tu mis son étoile? Tu as caché ça où? Où? Nous ne pouvons pas accepter ça, mais c'est un esprit. Au nom de Jésus. 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 Tu as fini, je ne te poser une question, tu réponds. Tu réponds correctement. Tu as mis ça où? Tu as mis ça où?
Exprime ça. Je saisis la pierre en l'air. Casse ta tête. Au nom de Jésus. Casse ta tête. Au nom de Jésus. Casse ta tête. Au nom de Jésus. Se casse ta tête. La parole déclare. Celui sur qui la pierre anglaise tombera sera écrasé. Celui qui tombera sur la pierre anglaise sera brisé. Nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, que la pierre anglaise t'écrase au nom de Jésus. Que la pierre anglaise t'écrase dans ce corps. Qui t'écrase au nom de Jésus. Qui t'écrase au nom de Jésus. Que la pierre anglaise t'écrase par la puissance du Saint-Esprit. Tu as mis son étoile où? Tu as mis son étoile où? Tu as mis son étoile où? Va chercher son étoile. Tu as mis son étoile où? Après ça, la vision tu as mis cette étoile où? En fonction de ses explications. Tu as mis cette étoile pour. Reste méchant, tu veux qu'on te tue, tu refuses de donner l'étoile de la servante de Dieu. C'est toi qui te perce. Tu es pressé pour ça. On va te tuer. Jésus va te jeter dans les abîmes. Tu connais la GN. Le feu qui était préparé pour vous. Toi et Lucifer, ton maître. Tu connais ce feu. Maintenant, nous prenons l'étoile de la servante de Dieu. Va chercher son étoile. Espère. Sinon, les portails de la Bible, surtout si tu es un petit. Non, va chercher son étoile. Tu as mis ça où? Tu as mis son étoile. Tu as mis son étoile où? Quoi, tu as mis son étoile de la servante de Dieu? Tu as mis son étoile où? Où? Quoi? Tu as oublié. Nous tu prions vas te rappeler. Que ta mémoire se rafraîchit maintenant. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, maintenant, l'Éternel va envoyer ses armées. Et il va venir te tourmenter ici. Au nom de Jésus. Toi-même, tu vas aller chercher son étoile en courant. Seigneur, par la puissance de même manière, quand tu as envoyé les frélons au nom de Jésus, pour sasser les Cananiens, au nom de Jésus, les Hérités, les Élysées, au nom de Seigneur, libère les frélons maintenant, au nom de Jésus, libère les frélons maintenant, au nom de Jésus, libère les frélons maintenant, libère les frélons, au nom de Jésus, libère les frélons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère les frélons contre elle, au nom de Jésus, 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 maintenant Seigneur. Que les frélons maintenant les envahissent. Au nom de Jésus. Et les tourmentes. Et les sasses. Maintenant, tu as mis son étoile. Tu as mis ça où? Tu as mis ça où? Va chercher son étoile. Tu as mis ça où? Va chercher son étoile. Où? Ah, t'étais. Tu t'étais. Que les frélons te tourmentent. Au nom de Jésus. J'entends que les frélons te tourmentent. Tourmente ta tête. Tourmente ta tête. Tu ne peux pas résister aux frélons. Ils sont violents, très violents. Ils sont très violents. Ce sont des armes que l'Éternel a réservé pour vous les rebelles. Détaille son étoile. Saisis son étoile. Elle est une grande étoile. Fais vite. Et tu ramasses tous ces dons spirituels que tu as volés. Tout. Allez, fais vite. Les frélons te tourmentent. Tu as offert des frélons. Dépose ta dent sur son front. Dépose ta dent sur son front. Le fait que tout mal. Les frélons que tout mal. Ils t'envahissent. Je les sers dans le sang de ces gens. Je ne couvre pas le feu de voir du Saint-Esprit. Je ne veux plus que tu les tousses. Tu n'as plus le droit à les tousser. Au nom de Jésus. Maintenant, tout l'institut. Tout ce que tu as volé. Restitue son mariage. Où as-tu mis son mariage? Mariage que tu as volé. Tu la restitues et ses enfants. Fais vite que les frélons te tourmentent. Seigneur, libère-les. Au nom de plus de sept fois même. Au nom de contre elle. Libère-les. Seigneur, ouvre. Papa. Que les frélons te tourmentent. Le prison qui contient les frélons. Contre papa. C'est le plus méchant. C'est son mariage. C'est son mariage, c'est ton enfant de mort. C'est son mariage. Et tous ces enfants que tu as volés, cassés dans ton volet. C'est là. Que les frelons te tourmentent. Les frelons te piquent. Tu n'as pas encore fini de souffrir. Tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas fatigué même. C'est son mariage. C'est son mariage. Tu as cassé son mariage là où? Tu as mis ça 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 où? Déteste son mariage. Mis ça où? Cassé où? Cassé où? Déteste son mariage. Où ça? Hein? Déteste. Fais vite. Maintenant, c'est l'Éternel qui te tourmente. C'est l'Éternel qui te tourmente. C'est son armée.
C'est jamais là que l'Éternel a envoyé autant d'Égypte pour tourmenter Pharaon et son peuple. Et l'Éternel les envoie aujourd'hui contre toi seul. Au nom de Jésus. Allez, saisis son mariage. Au nom de Jésus. Saisis. Au nom de Jésus. Saisis. Saisis son mariage. Et ses enfants. Tous ses enfants, Dépose. Dépose en elle. La même puissance de Dieu. Dépose en elle. Tu la déposes. Fais dans tes mains. Je reste dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ne coule pas le feu devant le Saint-Esprit. Voici devant. C'est pas fini. C'est dos spirituel. Saisis ces dons spirituels. Saisis ces dons. Hey, la masse est dos. Saisis ces dons spirituels. Si vous avez invoqué le haut armée de l'Éternel, ils vont venir te dévorer ici. Vous croyez que c'est vous? Vous savez comment détruire les gens. L'Éternel, c'est l'Éternel qui vous a créé. Et c'est lui qui a mentalité de détruire. Il va vous détruire aujourd'hui. Maintenant, fais vite. Saisis ces dons. Tu as cassé ça, mais où? Tu as cassé ça, où? Saisis ces dons. Tu as cassé ça, où? Ne te souviens pas de. Tu as cassé ça, où? Déteste ces dons. Tu as cassé ces dons, où? Fais vite. Tu as cassé, où? Afin que tu es cassé où? Parle-moi, Jésus. Tu me décharges. La terre. Aïna, ramasse tout. La terre vomit tout ce que tu as cassé. Et bientôt tu vas retourner à la terre. Fais vite. Saisis ta vie de prière, sa vie de consécration, sa vie de jeûne, sa vie de méditation, sa vie de prière. C'est une femme de prière. Saisis ça. Allez. Déteste ça. Déteste. Saisis sa vie de consécration, sa vie de consécration, sa vie de prière, sa vie de jeûne, de méditation. Fais vite! Fais dans tes mains. Et que ton jeu dans tes mains. Ramasse tout. Dépose. Fais dans tes mains. Je sais ses dons. Sa vie de prière, sa vie de consécration. Tous ces dons qui viennent dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ne coupe pas le feu de l'Esprit Saint-Esprit. Maintenant, son travail. Saisis son travail que tu as volé depuis des années. Au nom de Jésus. Saisis son travail que tu as volé depuis des années. Au nom de Jésus. Saisis son travail que tu as volé depuis des années. Au nom de Jésus. Et tu restitues aussi son pied que tu as volé là. Tu as donné un mauvais pied. Il t'a dit que les enfants de Dieu ont des mauvais sangs. Je viens et je plais. Saisis son travail. Nous, de Jésus, fais vite. Fais dans tes mains. Saisis. Nous que tu as dit. Et si nous confessons nos péchés. Dépose en elle. Dépose. Garde-toi si ça tombe. Dépose. Le sang de Jésus. Ne coupe pas le feu de gloire du Saint-Esprit. Maintenant tu l'as tiré. Il reste juste son pied. Son pied là, tu l'as restitué. Tu vas aller saisir son pied que tu as volé. Que tu as venu détruire là. Tu vas enlever ce que tu as mis dans ses pieds. Qu'est-ce que tu as mis dans ses pieds là? Pardon. C'est quoi que tu as mis dans ses pieds? Seigneur Jésus. C'est quoi que tu as mis dans ses pieds? Tu as mis quoi dans ses pieds? Sanctifié. Tu as mis quoi dans ses pieds? Seigneur Jésus. Tu as mis quoi? Aie pitié de moi. Tu as mis quoi dans ses pieds? L'Éternel te frappe de luxe. L'Éternel te frappe de luxe. Au nom de Jésus. L'Éternel te frappe de luxe. Au nom de Jésus. L'Éternel te frappe de luxe. L'Éternel te frappe du luxe malin. L'Éternel te frappe du luxe. Au nom de Jésus. Il te frappe du sein malin. 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 Il te frappe du
Tu as mis quoi? Cassé où? Comme je donne le nom, ils n'ont pas donné à moi. Je l'ai cassé, après ils m'ont donné. Que si ton peuple, j'ai cassé. Tu vas les juger. Tu as cassé le pied là. Cassé là. Tu vas les juger. Cassé. Là, esprit méchant, ne te mords pas des gens. Tu as cassé, tu vas réduire ce pied. Tu vas souder ça. Maintenant, tu as cassé. Est-ce que c'est toi qui as créé son pied là? Je reviens à toi. Pourquoi tu casses ça? Pardonne-moi. Pourquoi tu casses ça? L'éternel te prie pour ça. Et se saisit. Seigneur Jésus. Je saisis le sabbat de l'éternel. Au nom de Jésus. Se presse ton cœur. Au nom de Jésus. Se presse ton cœur. Au nom de Jésus. Se presse ton cœur. Au nom de Jésus. Pour ta message, c'était. Se presse ton cœur. Se presse ton cœur. Au nom de Jésus. 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 Je décide ta peau. Au nom de Jésus. Je décide. Au nom de Jésus. Je décide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de ta méchanceté. Qu'est-ce que tu as fait encore dans sa vie? Je t'invoque. Qu'est-ce que tu as fait encore dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait encore dans sa vie? Et me restaurer. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu as devenu encore? Qu'est-ce qui te reste à restituer? Qu'est-ce que. Quand la Bible déclare que le voleur est restitué, je tout par ses mains. Qu'est-ce qui te reste à restituer? Tu as esprit méchant. Lève-toi et je te prie. Qu'est-ce qui te reste à restituer? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi qui est resté? Qu'est-ce qui reste? Tu dois faire, tu dois aller restituer. Je sois totalement. Quoi? Parle au Jésus. Délivré. C'est quoi? Qu'est-ce qui te reste à restituer? Je te dis merci. C'est quoi? C'est quoi maintenant? Ça reste quoi maintenant? Tu m'as délivré. Ça reste quoi maintenant? Ça reste quoi? Ça reste quoi maintenant? Amen. Parle au Jésus. Ça reste quoi? Seigneur, parle au Jésus. Donc, ça reste quoi? Parle au Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Ça reste quoi? Ça reste quoi? C'est vite que les graines de feu qui est descendu dans les mines. Comme le Saint Jésus l'a dit à Moïse, étends ta main. Et le Saint Jésus a fait de voir des graines de feu de la tonnerre pour m'amêler. Le Saint Jésus maintenant nous dit maintenant de nous détendre nos mains. Nous étendons nos mains maintenant. Le Saint Jésus fait descendre du feu. Mêlez de la graine. Le Saint Jésus fait descendre du feu. Mêlez de la graine. Fait descendre du feu. Mêlez de la graine. Le feu fait descendre du feu. Descends sur toi. Le feu mêlez de la graine te frappe maintenant dans ce corps de Jésus. Te frappe dans ce corps de Jésus. Le feu mêlez de la graine te frappe dans ce corps de Jésus. Te frappe dans ce corps de Jésus. Par la puissance du Saint Esprit. Le feu de la graine te tourmente. Tu ne peux pas faire le feu de la graine. Seigneur Jésus. La terre devient du feu. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Que la terre devient du feu. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que la terre devient du feu. J'entends au nom de Jésus. La Bible déclare. J'entends au nom de Jésus. Que la terre devient du feu. J'entends au nom de Jésus. Que la terre devient du feu. Les deux le feu qui a tué. Ça vient à quoi? De tous ceux qui te reçoivent. Ça vient à quoi? Des biens des enfants de Dieu. Ça vient à quoi? Par le Jésus-Christ. La terre devient du feu. 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 Là où tu as saisi le manteau. Ce prise ton orgueil. Ce prise ton orgueil. Ce prise ton orgueil. Ce prise ton orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce prise ton orgueil. Ce prise ton orgueil. Tu ne dois pas lever ta voix pour nous parler. Ce prise ton orgueil. Ce prise ton orgueil. Je prie maintenant. De me lâcher. Par quel moyen? De me lâcher.
Avec une puissance, donc quand on dit cesse,
ça fait des affaires dans le monde des ténèbres. Et c'est pour cela que le diable travaille pour voiler les yeux des enfants de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne savent pas que c'est que le Dieu vivant. Et autant que tu demeures dans l'ignorance que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu raisonnes que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le nom de Jésus-Christ ne peut pas faire quelque chose pour toi. Pour avoir des faits dans ta vie. Parce que tu vas le prononcer, mais c'est comme tu prononces un nom simple. Mais dès le jour que tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu, quand tu dis Jésus, le monde des ténèbres tremble. C'est pour cela, l'esprit là, elle ne peut pas effrayer ce nom. Ça veut dire que Jésus, elle peut exister. Notre vie est engagée. Et c'est pour cela que vous venez à Jésus pour avoir votre délivrance, pour avoir le salut de vos âmes. Alléluia. Saisis son enfantement. Saisis son enfantement. Je prie, Saisis.
Ramasse-toi! Fouette sa part!
Nous renversons notre corps. Nous renversons notre corps. Les chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle de l'évangile, de la sœur, de la famille de Dieu. Et c'est pour cela, bon nombre de personnes, des chrétiens, ne peuvent plus aller évangéliser. Parce que leurs zèles, sont, les chaussures sont été volées par les esprits messages, par les démons. Alléluia. Et ils sont du mal de sortir parler de Jésus. Quand on dit, venez, on va aller annoncer la bonne nouvelle. Ça confère préoccupe à sa préoccupation. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois cesser ta délivrance. Car si tu n'évangélises pas, bien aimé, tu ne peux pas hériter le royaume. Je prie maintenant. Alléluia. Parce que c'est un commandement de Dieu. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Donc, le Seigneur t'a donné cette recommandation. Donc, c'est obligé. Tu dois sortir, gagner des âmes pour Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont évangélisé et tu as écouté pour venir à Christ. Maintenant, toi aussi, à ton retour, tu dois gagner des âmes pour Jésus. Donc, et si tu n'as plus l'amour de faire l'œuvre de Dieu, c'est que tu n'as plus ton zèle là. Donc, prie pour que le Seigneur te restaure. Et cherchez votre délivrance. Exode 23, 28. Je vais lire ça pour toi. Prison, ta base.
Rassemble tout, 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 rassemble tout
pas la puissance. Tu sais pas la puissance. Le Saint-Esprit t'oblige à tous ces signes qui sont capables de la servir de Dieu. Tu la sais, tu ne sais pas la puissance. Tu ne sais pas la puissance. Car le Seigneur est dépôt sur son corps. Je te fous dans les dents. Et te fous dans les dents. C'est le Saint-Esprit. Non, je te fous dans les dents. Et te fous dans les dents. Et te fous dans les dents. Ramasse pas l'attention du Saint-Esprit. Rien ne reste. Le Saint-Esprit dit dans sa parole. Rien ne reste. Que l'âme de l'éternel t'approche de Dieu. Rien ne reste. Et les arrêts du danger. Dans l'attention du Saint-Esprit, je fais des assauts dans mes élèves autour de toi. Si tu m'as donné, l'âme de l'éternel te frappe. Je ne peux pas l'attention. La tu donnes la donne à qui? Je te prends. Dans ton corps. Qu'est-ce qu'il reste? Prends un feu maintenant. Par le nom de Dieu.
Non, arrache tes hommes, arrache tes actes, tu fais tes malédictions. Arrête tes malédictions que tu as fait porter. Très vite. Enlève et arrache. Tu avais mis quelque chose dans ta gamme pour contrôler cette direction. C'est quoi là? Le miroir. Arrache ça. Arrache ça. Il t'arrache. Il
La prison de Jésus, que tu vomis,
Qu'est-ce qui reste? Dans feu. Dans le soleil. Maintenant, mon Dieu, mon grand papa. Je libère sa vie. Libère sa vie. Je ne veux plus te voir dans ce corps. Au nom de Jésus. Qu'on sorte d'elle. Tout ce qui est encore brisé. Te donner accès d'avoir sa vie dans sa vie. Pour que tu casses son âme dans son dans une tombe là. Vas-y les liens. Tu te donnes accès dans sa vie. Mais à partir de maintenant, la servante Esther ne t'appartient plus. Elle a un nouveau maître. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'ancien des eaux. L'homme de Galilée. Le brillant du matin. Ne donne pas le nom de Jésus. Prie ses liens. Mais ça je brise toutes les qui restent, toutes les qui te donnent l'égalité dans sa vie, toutes les de ça. Il est pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pris au nom de Jésus. Père, je me prie maintenant. Maintenant, tu libères sa vie. Soit tout, tout. Tu libères sa vie. Vous êtes libéré par un chemin de l'éparité. Tu libères sa vie. 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 Le livre de Marc, la parole déclare le livre de Marc. Parce que l'Éternel a déjà fait ce travail. L'Amen, cet enfant. L'Amen, cet enfant. Marc 5. Écoute la voix de l'Éternel. Au temps de Jésus, que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Tu étais la légende. Quand tu étais là, tu avais postulé un monsieur. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé sur le territoire des Canaréliens, écoute la voix de l'Éternel. Tu as vu, ayant vu de loin, il a voulu se prosterner devant lui. L'homme auquel tu étais possédé. Tu t'es procédé devant le roi de roi parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. Et tu sais qu'il y a une fois forte qui est entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'avance au nom de Dieu, ne le soumets pas. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, est-ce que c'est lui? Je lui dis, sors de cet homme. C'est pas tes parents, toi, est-ce que tu chantes les gens? Sors de cet homme. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et tu as répondu, tu as répondu que ton nom est légion. La vie de quand vous êtes nombreux dans ce corps, et il le priait certainement de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les demeures le priaient, disant envoie-nous dans ces pourceaux, envoie-nous, afin que nous entrions en eux. Mais nous, nous t'envoyons dans les habits, dans les habits. 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 Pas dans les habits. Pas dans les habits. Vous êtes bien solide.
Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je prie que si tu aimes notre esprit dans ce corps, Seigneur, que ton esprit la respecte. Si tu aimes notre esprit, que ton esprit la respecte. Seigneur, si tu aimes notre esprit, que ton esprit la respecte. Non, non. Si tu aimes notre esprit, papa, que ton esprit la respecte. C'est un bon esprit, quand on fait la tourmente, tourmente là, Jésus. Seigneur Jésus. Que ton esprit la trouble au nom de Jésus. S'il n'y a plus rien dans ce corps, que tu as attesté qu'elle est réellement délivrée, que ton esprit la réveille. 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 Que ton esprit la soulève. Quand ton esprit la soulève, 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 nous savons, Seigneur, au nom de Jésus, tu n'as pas un Dieu qui est associé. Seigneur, d'un coup bien pause.